Ethan, si tu trouves ceci, je sais que je ne peux rien attendre de toi. Pas après ce qui est arrivé, après ce que j'ai fait. Mais je veux juste que tu saches que c'était pas moi. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a tellement de choses qu'il faut que tu saches. Ah, te voilà! Nous étions très inquiets, jeune fille. Je ne peux pas la laisser m'attraper à nouveau. Par ici, maman. Ah, je suis vraiment lasse et fatiguée de ton petit manège, jeune fille. Il faut que je me cache. Il faut que je me cache. Pourquoi est-ce que tu me fais subir tout ça? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? À part t'ouvrir ma maison et te nourrir. Je ne te comprends pas du tout. C'est un don. Cette maison a vu plus que tu ne peux imaginer. Et elle sait. Tu ne comprends pas ou est-ce simplement que tu t'en fiches? Je sais que vous complotez avec Zoé. Je sais que vous mijotez quelque chose. Tu crois que je ne sais pas ce que tu veux faire avec cet Ethan? Non, ne viens pas par ici. Hein? Je te jetterai en pâture à mes bébés et je fertiliserai le jardin avec les restes.
Elle t'aime. Elle veut que nous soyons une famille, bon sang. Toi! Toi! Tout ce que tu dois faire, c'est accepter son satané don! Nous t'aimons! Ouvre les yeux! Ah! Accepte-nous! C'est pas possible! Tu ne comprends rien! Et tu ne te rends même pas compte! Non, 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 non! N'essaie même pas de fuir ta part de responsabilité! C'est sans issue, jeune fille! Crois-tu aller comme ça ?